Bon, hey, quand même, quel plaisir d'avoir tout le monde à table. On en a rêvé pendant des années, on l'a fait, des légendes. 8 légendes autour de cette table. Juste, je veux savoir, est-ce que vous vous connaissez tous? Ah ça y est, Daniel a pris ouais. Déjà le chandelier. Ouais. Est-ce que vous ouais. connaissez tous? Tu connais tout le monde, Daniel? Ouais, pratiquement. Pratiquement, ah pratiquement, ouais, tu connais pratiquement. Pas. Qui tu connais pas? Pourquoi tu commences par non. Daniel? Mais parce qu'il est le plus près de moi. Ah ouais. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Non, non, personne. Je connais tout bon, le monde. Ok. Oh ouais. Cyril, évidemment, toi, je oui. Je reconnais. Oui, bah oui, on connaît. On ne se Cyril, connaît pas tous personnellement, mais on. Cyril, tout ah le monde oui. le connaît. Vous avez joué ensemble les uns les autres. Qui a joué avec personne ici? Chamani? Contre, ouais. Je sais, avec contre Olivier et puis Michael aussi. Ouais. Et avec... On a joué ensemble? Non. Non, on n'a pas joué ensemble. Contre non, non plus, contre, je ne pense pas. Non, après. Non plus. Non. Et puis les anciens, c'est clair. Moi, me demande pas. Daniel nous reparle d'un arbitre, M. Kitadjan. Ah ouais ah finale ouais. de la Coupe de France. Qu'est-ce qu'il avait fait? Rien. Bon, il avait rien, bien bah, arbitré. Va, on l'avait rejoué alors. Oui. Ouais. À l'époque, c'était les matchs ouais, ouais. nuls. Quand il y avait matchs nuls en, coupe de, en rejoué, finale hein. de Coupe, ouais. tu n'avais pas de prolongation, tu n'avais pas de pénalty, ouais, tu ouais. rejouais. Ah, okay. On a rejoué Wurtz. La Coupe. Wurtz. Et on l'a regagné. C'était Sedan ouais. en face. Ouais. Et après, on n'a même pas fêté ça à Rennes, puisqu'on est parti faire le dernier match à Strasbourg. Ouais. D'où on a gagné 3-2. Et en revenant, festival. Un malheur. C'est vrai? Ah, bah ouais, à partir de Paris. Ingérable. Ingérable. Vous étiez en train? Ah ouais, ouais. Et quand on est arrivé à Rennes, n'en parlons pas, il y avait... t'avais toute la ville de Rennes dehors. Ouais. Ouais. 60 000 personnes. Ils ont calculé, les gens. Ouais. Ah ouais. Tout Rennes était dehors. Première Coupe de France, c'est normal. Bah ouais. Ah ouais, ouais. Ils n'avaient jamais connu ça, alors. C'était la première fois qu'un club breton gagnait la Coupe de France. Ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Okay. Ils avaient essayé. Avant, oui, non, oui, c'est avant, vrai, ils avaient perdu essayé. 3 fois hein, ah, ouais. en finale. Hein. Et Daniel marque 3 buts ouais. sur les deux, entre les ouais, deux voilà. finales. Ouais. Voilà. Meilleur buteur de l'histoire des finales du Stade Rennais. Ouais. Ouais. Voilà. Super. Et oui, chapeau, alors, on parlait des cartons. C'était le bon temps. 0 carton jaune, 0 carton rouge. Ouais. Daniel, qui peut dire ça? Qui peut s'asseoir à la table moi. De Daniel Rodiguero? J'ai aucune chance. Pourquoi t'en as pris beaucoup? Quelques-uns, ouais. Des rouges? Des rouges, ouais, beaucoup. Ouais. En tant qu'attaquant? Eh ouais. 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 Premier défenseur. C'est une sacrée période. T'as joué avec qui, toi, Romain? Moi, j'ai commencé avec Olivier. Je suis arrivé dans le groupe pro. Olivier était déjà là depuis 2001, donc ça faisait 5 ans. Moi, j'ai commencé en 2006. Et après, j'ai connu l'arrivée de Mika aussi, qui est arrivé en 2008, il me semble. On a, avec Olivier, j'ai pas joué beaucoup. Surtout ma première année, moi, j'ai pas beaucoup joué avec les pros. Bon, je m'entraînais déjà avec le groupe pro depuis quelques années. Mais j'ai plus joué avec Mika ensuite. Ouais. Ouais. Et ils étaient impressionnants, les gars, dans le vestiaire. Quand on est jeune et qu'on arrive avec des anciens, comme, qui n'étaient pas non plus très très vieux comme Olivier, mais... Ah, quand vous arrivez jeune joueur comme ça dans le vestiaire et qu'ils étaient quand même un bon groupe d'anciens qui portaient le club, qui commençaient à avoir des résultats, même sur la scène européenne depuis quelques saisons,
Ouais, vous vous faites sur la pointe des pieds quand même. Enfin, vous vous faites discret. Moi. Ouais. Tu essayes de pas faire trop de bruit et pas trop les déranger. Ouais, tout c'est pareil, quoi. Quand on a commencé, on arrive dans un groupe pro, des anciens. Moi, je suis arrivé à Nantes avec l'Endoram, Makelele, les Pedros, tout ça. Tu es vraiment, comme dit, sur la pointe des pieds. Quoi. Tu te fais tout petit. Suodo entraîneur. Les jeunes, ils sont chargés. Enfin, voilà. Donc, moi, c'était pareil. Hein. Je m'entraînais avec eux. C'était Laszlo Bologna. Laszlo, il ne connaissait pas nos prénoms. Hein. Il nous appelait par nos noms de famille. C'était, ah oui. C'était une autre manière de faire qu'aujourd'hui, en tout cas. Enfin, ça fait un peu ancien de dire parler ouais, comme non, ça, mais oui. C'était vraiment ce qui se passait. Ouais. Comment vous appelez, vous, Daniel Monsieur Prouf, il vous appelait par vos prénoms, par vos noms de famille Prénom. Par les prénoms Ouais, ouais. Mais nous, Monsieur Prouf. Oui, vous disiez Monsieur Prouf. Ah, ouais, ouais, monsieur. Ouais, vous ne disiez pas coach, vous ne disiez pas monsieur entraîneur. Jamais coach. Monsieur Prouf. D'accord. Ah, ouais, ouais. On avait vraiment le respect. Ouais. La première personne que tu vois en arrivant au stade, Romain, quand tu es jeune, c'est Chabani Nonda. Ouais, en 98, moi je suis invité par Patrick Grandpillon qui essaye de me faire venir au stade Rennais. Il m'invite à un match. Et après le match, il m'amène dans les vestiaires et tout ça. T'as quel âge en 98 ? 12 ans. À 12 ans ? Dans la tribune là-bas à côté de la Vilaine avec ce long couloir là que les anciens se rappellent. Oui. Et Patrick m'amène dans le vestiaire et Chabani était là. Et je me souviens d'avoir serré la main à Chabani. Et ton gamin ? Ouais, ouais, ouais. Ah, génial. Ouais. Ah oui. C'est quand même. C'est de belles histoires, ça. Chabani, c'était l'attaquant. C'était l'attaquant vedette. Ah bah ouais. De l'époque. Bien sûr. Ah oui, parce que. On était nombreux quand même. On avait du monde. Hein. Non, mais. Alors, on parlera après des uns et des autres, mais quand Chabani Nonda arrive à Rennes, personne ne sait qui c'est. Enfin. On en a vu défiler des gars avec des noms. Pierrick. Oui, oui, moi j'ai eu la chance, c'était l'année où j'ai arrêté, j'étais passé à entraîner le gardien avec Paul Le Guen. Il n'était pas gardien. Quand Chabani arrive, c'est vrai qu'on ne le connaissait pas, mais par contre, on n'a pas mis longtemps à voir ses grosses qualités. Ouais. Parce qu'aussitôt, il est arrivé, il faisait la différence tout de suite. Tu arrives de Zurich ? Ouais. Tu n'as jamais entendu parler de Rennes ? Non, je connaissais quand même un peu, parce que c'est vrai qu'au Burundi, au Congo, on suivait quand même le championnat français. C'est vrai qu'on parlait plus de Bordeaux, Paris, Marseille, voilà. Rennes, on savait que ça jouait quand même au milieu de tableau. Oui, c'est ça, et puis aussi, au milieu de tableau. Et aussi, c'est vrai que l'histoire, en fait, c'est que j'étais plus... en fait, c'était le projet de Paris. Je devais partir à Paris. Au PSG ? Au PSG. Et puis... ce qui s'est passé, je ne sais pas. Et après, on sait qu'on nous a dit que non, le projet, il y a Paul Le Guen qui part là-bas, il y a le président. Blayot. Voilà. Il est venu me voir à Zurich, et puis il m'a confirmé. Il m'a dit non, bah, écoute, de toute façon, écoute, comme tu as fait confiance à des gens, à Paul, tout ça, et comme tu savais. Tu vas suivre Paul. Paul quitte Paris pour aller à Rennes. Pour moi, c'était. Je dois. Voilà. Ah ouais. Et puis je savais que. Ouais. Et là, tu fais deux saisons extraordinaires. Heureusement qu'il n'est pas retourné à Pincran. Heureusement qu'il n'est pas retourné à Pincran. Dans le Finistère, tu aurais joué à Pincran. Dans le Finistère Nord. Mais tu fais deux saisons incroyables quand même à Rennes. Ouais, côté sportif, personnellement, ouais. Ouais. Personnellement, ouais, je pense que... Combien de buts ? Ouais. Ça... 19 la première saison, ouais. Si je ne m'abuse. 18 la deuxième. Ouais. Mais au niveau, personnellement... Après, on comparera avec, avec Roddy, mais... Ouais. Je ne sais pas si pour les ambitions du club c'était assez, c'était suffisant, je ne sais pas. Là, c'était pas mal déjà. Mmh. Ah ouais, oui, c'était bien. Mmh. Ah ouais. C'était quand même bien. C'était meilleures années de footballeur ou y en France, ouais. En France, moi pour moi, ouais. C'est ouais, parmi mes meilleures années en France. La deuxième étant mes 18. Ouais. Ouais. C'était les débuts de l'ère Pinot. Ouais. Oui. François Pinot venait de racheter le club. Première année carrément. Ouais, ouais, c'est ça. Carrément, Paul arrive avec François Pinot derrière. Et même on a acheté les objectifs étaient même élevés. Parce que la deuxième année, Paul, je pense qu'il avait des objectifs pour aller déjà là-haut, pour essayer de choper un peu le haut du classement et les places européennes. Et malheureusement, on a une saison un peu plus difficile et la pression était sur Paul. Quoi. Ouais. Oui. Et il y a un truc qu'on ne sait pas. Il y a deux personnes autour de cette table qui ont été formées au FC Nantes. Au FC Nantes. Alors certes. Il y a un peu Olivier Monterrubio. Non, il ne dit pas beaucoup quand même.
Mais il y a Cyril Elgouache qui dit rien du tout. Non. Allô? Moi, je passe sous un pont, là. Je suis en train de passer sous un pont. Allô? Bah ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais je le dis pas. Hein. Je le dis pas. Non. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est improbable. Hein? C'est improbable. C'est improbable. Non, mais surtout, ouais. Quand tu sais tout ce que je leur ai mis après... T'avais pour les jouer à la Nantaise. Oui. Ouais, en plus, ouais, c'est ça. Se toucher un peu soyeux aux Nantais, là. Caractéristique. Non, mais c'est vrai que, ouais, ça va être d'une, ouais. Ouais, j'ai rien retenu de ce jeu à la Nantaise, ouais. Non, mais j'étais croisiquet, moi. Donc, j'étais à côté, même si mon père est douarnené. Mais du Croisic, bah, c'était Budzinski qui est venu me chercher, etc. Donc j'ai fait 2 ans là-bas, mais avec une génération, ils avaient une belle génération. J'avais avec Deschamps, De Sailly, Patrice Locot, Féfé, Jean-Michel Ferry. Que des gens qui ont fait une grosse carrière. Ah bah... T'es en train de justifier le fait que t'es pas sorti UFC Nantes. Ouais. C'est un peu ça. Non, mais je l'ai su tout de suite. Hein. Oui. J'ai su tout de suite qu'il y avait un problème. Ouais. Et Budzinski, okay. À un moment, t'as dit... Non, c'est Faut partir, monsieur. C'est Reynald Denoëx qui est venu m'annoncer dans ma piole. Ouais. Ouais. Ah la vache. Ouais. Ça doit être horrible, ça, pour un jeune joueur. Ah oui, oui, oui. C'est vrai, quand on t'annonce... mais bon, tu sais. Si t'es objectif, tu sais très bien que tu fais pas la maille, quoi. Donc, voilà. Et donc, 6 mois plus tard, je me retrouvais dans un foyer de jeunes travailleurs au Mans... avec des punks, je passais de la Jaunelière avec vue sur la Beaujoire dans un club de 3e division qui ne pouvait pas te loger, quoi. T'es pas resté longtemps? 4 ans. Ah, pardon. Pas dans le foyer. Hein. Pas, t'as fait quand même 4 ans là-bas avant de venir ici? Ben, je suis arrivé à 20 ans ici. Je suis arrivé à 20 ans. Ah oui. Ouais. Donc t'es pas formé à Rennes du tout? Non, non plus. Comme François Denis n'est pas formé à Rennes finalement? Non. Moi, je ne suis pas formé du tout. C'est bien de le reconnaître. J'ai pas connu de centre de formation, moi. Moi, en fait, je jouais à Redon, en ma jeunesse à Saint-Nazaire. Ah ouais, Redon. Mais à 17 ans, ouais, j'ai joué en D4 avec Saint-Nazaire, Division 4 à ce moment-là, c'était comme ça. Et puis après, j'ai signé à Redon. Alors, j'ai fait un séjour à Brest. Tiens, ça, c'est une anecdote. T'as été à Brest quelque temps? J'étais à Brest une année. En fait... Au stade brestois? Je devais faire mon service militaire. Et le stade brestois, qui était dans notre groupe avec Saint-Nazaire, me recrute pour aller jouer chez eux. Et du coup, je dois faire mon service militaire. Ils me disent, bah tiens, on va te faire rentrer à la marine à Brest. Ça va bien se passer. Tu vas voir, nickel. Tu vas t'entraîner tous les jours avec nous. Et puis... Et donc, je reçois ma convocation, Mont-Valérien Paris. Pour l'armée. Ah, et je venais de signer à Brest. C'est pas pareil, on voit rien. Donc panique un peu, on essaye de faire les démarches et tout, sauf que j'étais dans l'armée de terre, et j'avais plus le droit de changer d'armée. Et ils m'ont rapproché le plus possible de Brest, et c'était Châteaulin. Qu'en semi-disciplinaire, oui. J'ai dû avoir 2 entraînements dans l'année et 3 week-ends. Ah oh oui, c'est des durs à Châteaulin. Ouais. Oui. Et donc du coup, voilà, j'ai signé l'année d'après à Redon, je suis revenu dans la région. À la Saint-Convoyon. À la Saint-Convoyon, on était en Détroit. La Saint-Convoyon de Redon, voilà. Oui. Et j'étais animateur sportif cantonal sur le canton de Jean-Zé-Rottier. Il n'y avait pas de... C'était en quoi, ça? En division 3. En 3e division. Il y avait la première division, 2e, 3e. Il n'y avait que ça, à ce moment-là. Ouais. Le club de Michel Beaulieu. Ouais. On était avec la réserve du FC Nantes, la réserve de Nantes. Oui, toutes les réserves, finalement. De Brest, ouais. Tout ça, ouais. Mm-hmm. Et donc, comment t'arrives là? Et donc, du coup, je faisais mes... je travaillais, animateur sportif cantonal, et je faisais Rennes-Redon 3 fois par semaine le soir, plus les matchs le week-end. Et à un moment, j'ai dit, bon, top, j'avais 22 ans, peut-être. Et j'ai dit, top, je vais signer avec Michel Beaulieu au Stade Rennais, avec la section amateur. Je signe avec la section amateur, je pars en vacances là-dessus, je reviens, on doit faire 1 ou 2 entraînements avec Michel Beaulieu, avec les amateurs. Oui, parce que les amateurs reprennent au mois de septembre, oui, voilà, le championnat. Donc, ouais. Très tard, ils avaient commencé le championnat depuis longtemps. Et donc, du coup, là, je signe, et puis un coup de fil un soir en revenant du boulot, Raymond Kérusoré, qui avait fait un peu le ménage quand il est arrivé avec les joueurs, il me dit, dis donc, François, je connaissais, j'avais passé des diplômes d'entraîneur déjà. Il me dit, tu viens à l'entraînement demain avec nous. Ah bon, d'accord, je viens, je connaissais personne, hein, amateur. Et du coup, je fais l'entraînement, mise en place, je me rappelle, sur le stade de la Route de l'Orient, à ce moment-là. Et du coup, derrière, il me dit, bon, samedi, on va jouer à Nancy, tu viens avec nous.
Voilà, et j'ai pas quitté après l'équipe. Oui, mais tu vas comme sur le banc. Ah non, 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 j'ai dû jouer en numéro 6, premier match. Ah oui, tout de suite. Titulaire, en numéro 6, pas encore. Et donc ça a duré pendant un an, et pendant un an, je prenais mes jours de congé pour aller jouer, puisque je travaillais le samedi. Ah ouais. Voilà. Et donc ça a duré 10 ans finalement, ton et histoire après, au stade. Et après, voilà. On parle bien de la période 87-97. Ouais, c'est ça, exactement. En défense centrale. Voilà, exactement. Donc, moi, c'était pas prévu, quoi. C'est pas accident. C'est ça, ouais. C'est pas accident, t'as dû te pincer pour te dire, mais qu'est-ce que je fais là, quoi, à un moment... Ouais, après, c'était plus comme... Enfin, c'était peut-être pas comme maintenant. Il n'y avait pas tous les sujets médiatiques tout autour du foot. Et en fait, j'avais l'impression, en fait, de jouer dans une équipe, ben voilà, avec des copains amateurs. Les spectateurs aussi, ils se pinçaient. Mais qu'est-ce qu'il fout, là? Donc voilà, c'est une histoire... Et alors, le seul de cette tablée qui a fini sa carrière à Rennes, c'est Mika. Ah, je sais pas. Si, si, y a des gens qui ont été formés ici, des gens qui sont restés ici toute leur vie. Bah, la danse, il a fini sa carrière aussi à Rennes. Oui, c'est vrai. C'est pas Vincent, mais ça va. Oui, mais Pierre, t'as craqué aussi quand même. Oui, mais vous. Ça fait trois. On coupe. Oui, mais. Allez, on dit que c'est vrai. Allez, bon, c'est pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Mika, il a joué dans plein de clubs. Ah oui. Et que il arrive à Rennes et il termine à Rennes. Combien? Oui, 10. En club? Non, pas 10 clubs, non. Non, non, 1, 2, 3, 7, 7, 8. T'es instable un peu, c'est pas mal. Ouais, garçon, non, non, c'est une longue carrière. C'est très long, ouais. En si peu de temps. Non, c'est vrai, j'ai fini ici. Alors après, je l'ai démarré, ma carrière, très, très proche d'ici. À Laval. Au Stade Lavallois. Donc, et c'est vrai qu'il y avait toujours des liens, un petit peu, malgré tout, Stade Lavallois, Stade Rennais. C'était qui l'entraîneur au Stade Lavallois quand il était? Bah, c'était Mimi. Michel Lemillier. Moi, j'ai joué. Je me rappelle une anecdote avec Mika. Je descends en équipe réserve, j'étais puni. Non, non, c'était un million. Ouais, moi, je le prenais pour une punition et tout le monde pensait que c'était une bonne chose. Et on va à Laval. On joue à Laval contre la réserve de Laval. Et le petit branleur, là, il jouait avant-centre. Et moi, j'étais en défense centrale. Et je marque Mika Pagis. Mais personne ne le connaissait. Il était jeune. Et là, je le vois, tu sais, mais comme on connaît Mika Pagis, quoi. Tu sais, poitrine, technique, déplacement, le même joueur. Et à la fin du match, et moi, j'avais fait un petit paquet de matchs en pro, quand même. Et je vois le branleur, là. Et à la fin du match, je me rappelle toujours, je vois Patrick Campillon, et je dis, mais c'était qui, lui? Il me dit, c'est Mikaël Pagis. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il fout à Laval en équipe réserve de Laval? Parce qu'en plus, c'était la réserve de Laval. Ouais, moi, je démarrais Détroit. Détroit. Mais ça avait fait combien le score? C'est je sais plus. On a dû gagner. T'as pas dû marquer. Et je me rappelle avoir vu les débuts de Mika en équipe réserve et avoir été interpellé par son niveau. Ouais. C'est vrai que pour nous, jouer contre le Stade Rennais, c'était quelque chose quand même. On était quand même le petit club, le grand club, c'était le Stade Rennais. C'était pas le Stade Lavallois, même si c'était un très bon centre de formation. Mais de venir jouer ici, c'est vrai que Route de l'Orient, je me rappelle, ouais, c'était le top, quoi. Et voilà, après, de finir ici, pour moi, c'était aussi... Tu viens de Marseille, hein, quand tu arrives ici. C'est ça. Je viens de Marseille, ouais, c'est ça, ouais. Et ça se fait comment, le contact, pour arriver là? Tu te souviens? Le contact, c'est par l'intermédiaire d'agents, Après, c'était Pierre, là, aussi, qui était entraîneur, à l'époque. Il y avait... il y avait Michel, qui était... Michel Serin, qui était aussi dans le staff. Je rejoins le club en stage à... Je crois que cette fois-là, Carnac. À Carnac. Et je signe 2 ans, je crois. Donc, mais bon, après, moi, c'était un peu boucler la boucle. C'est de revenir un petit peu dans ma région. Ouais. Et même si c'est vrai qu'à l'OM, à l'époque, j'aurais aimé rester un peu plus longtemps. Oui. Mais s'il y a des choses qui ont fait que je suis parti plus tôt que prévu, mais pour moi, c'était un beau challenge de venir ici aussi. Parce que je connaissais malgré tout le Stade Rennais. Oui. C'était revenir dans une région aussi de connaissances et puis dans un club quand même qui tournait, hein, qui était quand même... C'était dans une période quand même où c'était assez régulier. Donc voilà, c'était... Romain. Moi, je suis dans l'effectif quand Mika, il arrive.
c'est un signal fort du club de faire venir un joueur comme ça. Mika, il est à Marseille, c'est le joueur qui est en train de faire vibrer, de mettre en lumière Ribéry, Nasri, Mamadou Diang et tout ça, c'est les joueurs avec qui il jouait. Quand il arrive au Stade Rennais, on se dit, ouais, là, le Stade Rennais en recrute quand même un joueur d'un sacré niveau. L'exigence et les objectifs vont monter d'un cran avec un joueur comme ça. Ouais. Ouais. Et il était comment comme mais malgré tout, c'était compliqué au début quand même. Oui, ouais. C'était, ça pas été simple. Hein. Non, c'est vrai que tes premiers mois à Rennes, c'est pas terrible. Ah, oui, oui. Ah, c'est pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Je me fais siffler, tu parlais tout à l'heure. Tu vois, t'es pas le seul. C'est vrai que c'était, c'était très compliqué, mais de par mon niveau en fait. Hein. Pas par le fait que je venais de l'OM ou de Nantes ou quoi que ce soit, c'était vraiment par le niveau. L'équipe a mis du temps un petit peu à se mettre en route. Moi, je n'ai pas été performant non plus. Je jouais à un poste qui n'était pas forcément le mien, où je pouvais le mieux m'exprimer. Mais on donc, te faisait jouer où? Attaquant seul devant. Ah oui, alors que tu aimes bien jouer un peu derrière. Moi, j'aime bien avoir un deuxième attaquant avec moi. Et donc, ça a été c'était très compliqué. Ouais. Bon, hey, les gars, bon app. J'ai juste une question pour tout le monde. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier match sous le maillot rouge et noir? On a un petit peu eu la réponse d'Olivier. C'est vrai que démarrer à Rennes, venant de Nantes, et en prendre 5 à la maison, avec 4 de Djibril Cissé, ça... Oh ouais, et puis alors, plus l'anecdote aussi, c'est que on termine le match. Tant que moi, j'avais toujours ma voiture immatriculée 44. Ah, on était garés sur le parking ici, là. Puis je sors avec ma femme et ma petite fille qui avait 17 mois dans la voiture. Et là, tous les supporters étaient devant, nous attendaient, énervés. J'ai pris des fumigènes sous la voiture, coup de pied dans la portière, enfin voilà, c'était... Oh merde. Et je me souviens, le lendemain, décrassage, je vais voir René Ruello, le président. J'ai dit, président, mais je peux pas rester. Ah oui? Ah oui, d'entrée. J'ai dit, président, je peux pas rester, c'est pas possible. Premier match, t'inquiète pas Olivier, ça va se faire. J'ai dit, ok, ça fait 2 ans, quoi. Ça a duré 2 ans. Mais c'est dur, hein. C'est dur hein, quand tu arrives dans un club et t'es pas accepté, c'est terrible. Hein. Sur le plan mental, c'est fort. T'as eu le sentiment, toi, sur le premier mois, que t'es pas du tout accepté? Moi, c'était très compliqué et franchement, je rentrais chez moi, j'avais les nerfs, quoi. J'avais envie de tout exploser. Quoi. Ouais. Alors, soit on subit le truc et on se dit, bon, c'est bon. Ou alors, on se bat, on se relève et on se dit, il y aura des jours meilleurs, on continue à bosser. Et c'est vrai que moi, ce qui a fait la différence, c'est le changement d'entraîneur. Quand Pierre s'est retiré et Guy Lacombe est arrivé, même si c'était pas gagné d'avance. Mais finalement, il m'a repositionné, il m'a fait jouer à mon poste. Et c'est là que j'ai pu beaucoup m'exprimer. Oui, deuxième partie de saison, rien à voir avec la première. Voilà. Ton premier match, Pierre, tu t'en souviens? Avec le maillot du Saranais, je suis sûr que tu t'en souviens. Bah, ouais. J'avais 17 ans et demi. J'étais en équipe de France Junior et Daniel Bernard, qui était titulaire, se blesse. Et le deuxième, c'était Jean-Paul Lescal, qui venait de Marseille et qui avait quand même des gros problèmes au genou. Quoi. Donc n'avait pratiquement pas joué. Et donc à 17 ans et demi, M. Prouf, c'est l'année où René Sedelin passe entraîneur. Mais... secondé et aidé par M. Prouf, Jean Prouf. Donc, je suis titulaire. Et en plus, c'est au Parc des Princes. C'est un beau symbole. Comment t'apprends ça? Comment j'apprends ça? À l'époque, on parle un peu, mais il n'y avait pas de centre de formation ici, à l'époque, à mon époque. Il n'y avait pas sur Facebook, quoi. Non, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. Donc, René Sedelin est venu me voir à l'entraînement, il m'a dit, écoute, Jean-Paul Escal n'est pas apte à jouer, on te donne ta chance, c'est toi qui vas jouer au Parc. Donc c'était au Parc. Parc des Princes. Le Parc, c'était l'inauguration de quelques mois avant. Quoi. Ah oui, donc le tout nouveau Parc des Princes. Le tout nouveau Parc des... Donc 17 ans et demi au Parc, premier match. Mais toi, tu étais un enfant du Stade Rennais, t'es né oui, là. Mais moi, quand on t'annonce à 17 ans et demi, tu oui, mais, être oui, gardien mais du Stade Rennais. Moi, c'est une belle histoire parce que je suis à 300 mètres d'ici, à rue de Brest, et tout petit, je rentre au Stade Rennais à 11 ans. Quoi. Donc à 11 ans, je franchis assez vite les étapes. Minime de l'Ouest, Calais de l'Ouest, Cadet, je suis en équipe de France junior pendant 3 ans. Et à 17 ans et demi, on me donne ma chance en pro, à un poste difficile de gardien quand même. Oui. Donc, et ça se passe bien parce qu'on fait 2-2 au Parc.
Donc j'étais content de mon match. Et sur la lancée, on devait partir à Nancy. Et donc j'enchaînais sur un deuxième match. Oui. On arrive à Nancy, tempête de neige, match reporté. Oh, dommage. Ouais, mais enfin, donc, jouer dans la neige, c'est moche aussi. Bah non, c'était moche aussi. Donc, du coup, t'avais toujours un short, toi. T'avais toujours un. Non, à l'époque, j'étais en short. Toi. Ah oui, c'est après que t'as mis le pantalon de survêt. Quand j'étais plus vieux, j'avais une combinaison. Ah, oui, ah oui, c'est vrai que. J'étais frileux après. Oui, c'est ça. Au-dessus du Dolpic. Voilà, combinaison. C'était pas la tenue la plus sexy qu'on ait vue pour un gardien, mais c'était. Non, mais j'ai mis une certaine mode, je pense. Parce qu'après, certains gardiens jouer un peu comme moi, oui. avec une combinaison et les manches retroussées. Donc ça, c'était ton premier match. Chabani, ton premier match, tu t'en souviens avec le Stade Rennais? Auxerre. Je sais pas, moi. Ouais, je pense Auxerre. Ouais. À Auxerre. Auxerre. Ou... À Auxerre. Ouais, ici, non. Ah, ici. Ici. Et tu marques? Je pense, ouais. Pas encore, mais je pense. Moi, pour moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Dès Pourquoi le départ. Ah ouais, ouais. Tout de suite, l'équipe a bien tourné, et puis personnellement... T'es bien accueilli quand t'arrives? Non, c'était net, parce qu'en découvrant, on venait de recruter presque tout le monde. Il y avait des nouveaux venus, il y avait Bardon, il y avait... Cédric Bardon. Harry Bagé, il y avait... Ouais, Harry Bagé. Ouais. Dominique Harry Bagé. Il y avait aussi... Leroux. Ouais, il y avait aussi David Sommeil. Ouais, ouais, il y avait un peu, ouais. On était un peu il y avait nouveau. Ouais. Et puis tout de suite, la machine s'est mise en marche. Hein. Et puis moi, personnellement, ça c'est le côté individuel. Bah, comme Michael a dit, hein, c'est que pour nous, les attaquants et Olivier, dès que tu commences à mettre au fond tout de suite, c'est bon. Et puis oui. Derrière, s'il y a la chanson qui suit, allez, la machine est partie. Et puis, ça je ne sais pas qui a lancé le cha-cha-cha, Chabani Nonda. Ça, je... Mais c'est vachement bien. À chaque fois que je vois le mot, à chaque fois que je vois ton nom, je dis ça, moi, assez bêtement. Tiens, oui, il y a Chabani Nonda qui va venir. Tiens, Chabani Nonda. Je ne sais pas qui a eu ce coup de génie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, honnêtement. Alors, on ne sait pas si c'est Chabani ou Chris, d'ailleurs. On dit jamais Chris. Les deux? Les deux, oui. C'est Chabani, Chris, Christophe Nonda. Ta femme, elle t'appelle comment? Chabani. D'accord, ok, Chabani. Bon. Daniel, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Stade Rennais. Ouais. Derrière Grumelon. Ouais, mais bon, là, du temps de Grumelon, c'était les résultats, c'était 10-0. Oui, ça compte pas. Ça. Mais oui. Ouais. Oh ouais, non mais Rodi, combien Daniel de buts? Là, moi j'ai. Oui, mais beaucoup. Non, non, mais c'est vrai. Hein. Il y avait pas de défense, il y avait rien. Combien de buts dans les années 40? 127. 127 buts avec le Stade Rennais. 127. Eh ouais, quand même. Donc, ouais, bah, en fait, il y a des choses qui changent. Olivier, ça change aussi pour toi. T'as pas passé toute ta vie à Rennes avec des gens qui te sifflaient et qui mettaient des pétards sous ta bagnole. Non, non, c'est dès que je suis allé boire une bière dans leur local, tout de suite, ça a été mieux après. Comme quoi. Et puis, il y a l'entente avec Frey. Enfin, oui, c'est vrai historiquement, c'est ça, quoi. Oui, c'est vrai comment ça s'est fait, cette connivence entre toi et Alex Frey? Ben en fait, quand Vahid Halilhodžić arrive au club, il y a Alex qui arrive aussi de Genève. Et il joue pas beaucoup, quoi. Il joue très, très peu. Ah, il joue peu au début, ouais. Il joue très, très peu. C'est Fred Piquion qui est préféré par Vahid. Très peu, et en plus, il ne fait pas jouer à son vrai poste. En plus, ouais. Moi aussi, je joue très peu aussi avec Vahid. Et du coup, ben, on est sur les oppositions, on est dans l'équipe adverse. Donc on commence à avoir une complicité tous les deux sur le terrain et en dehors du terrain aussi après. Et presque un goût de revanche quoi, par rapport à ce qui vous arrive. Oui, bien sûr. Faut montrer quelque chose. Quoi. C'est ça, on a pris notre mal en patience, on s'est dit, bon, ça va peut-être tourner, ça va arriver, il faut qu'on continue à travailler comme on le fait. Et puis après, bon, il y a eu le départ de Vahid, où on a fait la fête. Et puis l'arrivée de Laszlo. De Laszlo, ouais. Laszlo m'appelle, je suis en vacances. Il m'appelle, il me dit, voilà, j'arrive en tant qu'entraîneur. Je veux t'associer avec Alex Frey, lui devant et moi sur le côté gauche. Donc voilà, vous allez être mes deux repères devant. Et voilà, c'est comme ça que
qui ouais, est née enfin... en fait voilà, notre association. Mais vous sentez, tu sentais les déplacements d'Alex Fry. Ouais, après, on restait aussi à la fin d'entraînement. Il y a un truc qui est assez impalpable quand même. Oui, après, on restait à la fin d'entraînement. Je faisais beaucoup de centres. Lui se déplaçait aussi devant le but. Et puis après, ben, voilà, c'est des automatismes qui arrivent à match comme à l'entraînement. Quoi. Bah oui, tout le sens, je sais, je sais sans regarder, quand je centre, je sais où il est. Ouais, c'est ça. Ouais. Je revois des images où il y a le ballon qui est là, je centre, mais je ne regarde pas. Je sais que. Il faut juste le mettre entre le défenseur et le gardien. C'est juste ça. J'ai juste ça à faire. Je sais que lui, il est là, ouais. Quoi qu'il arrive. Et lui, il sait où va arriver le ballon. Et lui, aussi. Il sait aussi. Donc, voilà. Ça. Et en dehors du terrain, vous étiez proche ou pas plus on que était ça proche, hein. Ouais, vous étiez non, on copain, était très proche. Ouais. Moi, j'ai eu souvent ensemble. Il était célibataire. Donc, il venait souvent à la maison. Voilà, où on mangeait au resto ensemble. Il s'entendait très bien avec ma petite fille. Enfin, voilà, c'était. Vous êtes resté en contact depuis ? Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ouais, parce ouais. qu'on a du mal ici, à tout le monde rêve d'un... Et je pense que Romain, le premier, rêve d'un coup d'envoi donné par Alex Fry. On a du mal à le voir. Ouais, vous êtes... Ouais, ouais, on reste en contact, oui, bien sûr. Ah, aujourd'hui, Alex, il est coach principal du club de balle. Ah, ouais. Oui, c'est ça. Donc, il est quand même bien pris, il a un emploi du temps bien chargé. Ouais. Oui, oui, mais ça serait bien de le revoir. Bien sûr, on y travaille ensemble. D'accord, ok, d'accord. D'accord. On parlait des premiers matchs. Romain, le tien, le premier match, c'est quoi ? Moi, c'est en octobre 2006, à Lille, en Coupe de la Ligue. Rennes ouais. n'avait pas gagné depuis des années à Lille. À Lille, ouais. Et moi, je profite de la Coupe de la Ligue, qui est une compétition qui devient importante à partir des quarts, des demi-finales. Ouais. Qui n'existe plus. Et donc, en fait, sur les premiers tours, ils font jouer un peu les jeunes joueurs ouais. et ceux qui ont un peu le moins de temps de jeu. C'est une bonne... Et ouais. moi, sur ma première année pro, je ne joue pas beaucoup, j'ai du mal à me mettre au niveau, etc. Et donc, Pierre Drey aussi profite de ce match-là pour me lancer dans le grand bain, en fait. Avec qui toi à droite à ce moment-là Olive Sorlin. Ah oui. Ouais. Ah, t'étais pas défenseur Non, je jouais d'abord c'était au milieu. Ouais, c'est ouais. Ça. Parce qu'arrière droit, c'était Mario Melchiot. C'est ça. Ouais. Mario Melchiot. Je jouais un peu plus ouais. au milieu. Et donc c'est Landry Chauvin qui était coach de la réserve parce que je m'entraînais assez souvent avec la réserve qui me dit écoute il faut que tu ailles faire la veille de match avec les pros et puis tu pars ensuite à Lille au mise au vert. Donc je me dis bon bah, c'est déjà pas mal, je vais faire un banc de touche, tu vois, c'était une première pour moi. Donc au mise au vert, et le jour du match, le midi, je sais que j'étais dans ma chambre d'hôtel avec Simon Pouplein. On partageait les chambres. Le téléphone il sonne dans la chambre et c'est Pierre qui me dit écoute descends en bas, il faut que je te parle. Moi je descends. Dans descendre en bas, c'est normal. Dans la salle oui. de réunion, ah oui, exactement. Ah, on descend pas en haut. Dans la salle de réunion, et puis il me montre la compo, il me dit ce soir tu commences. Oh putain. Ouais. Donc là, t'appelles ta famille ? Non, même pas, non. Non, non, non. Jean-Yves ? Qui est Jean-Yves ? Mon papa. On l'appelle Jean-Yves. Bah. Moi aussi, Cyril est très intime avec mon papa. D'accord, je veux pas savoir. C'est un gars d'Edouard, on a ça en commun. Mon père, il est à Edouard aussi. D'accord. Jean-Yves. Et il me dit, tu vas commencer ce soir. Voilà. Il me dit, t'inquiète pas de pression. Que tu sois bon ou que tu sois pas bon, de toute façon, le week-end prochain, tu joueras en réserve. Donc, t'inquiète pas. Ça s'est bien passé, mais je suis quand même allé jouer en réserve le week-end suivant. Et Rennes a gagné, ouais, on a gagné. Ouais. 2-1, je crois. Hein. Exactement, ouais. Si j'ai bonne mémoire. Et, donc, et c'était, pour les supporters, un bon souvenir parce que c'est... Lille était vraiment la bête noire. Ouais. Ah ouais, et vaut mieux que ça gagne sur un premier match. C'était une des meilleures équipes. Ouais. Vaut mieux que ça gagne. Daniel voulait nous parler du meilleur gardien qu'il ait rencontré. Ouais. C'était qui ? Lamia. Lamia, ah ouais. Qui a joué à Rennes. Bah oui, ouais. Bah oui, on a gagné la Coupe de France oui. ensemble. Mais... Prénom de Lamia ? Extraordinaire. Georges. Georges Lamia. Très bien. J'allais dire Bernard Lamia. Mais Bernard Lamia... Bernard Lamia. Ouais. J'allais dire Bernard Lamia, mais non. Il a joué à Rennes. Ah ouais. Bernard. Ah ouais. Il vous a fait gagner des matchs. Ah ouais, ouais, ouais. Lamia ? Ah ouais, oui. Ouais, c'était mon gardien. Pour moi, ça a été le meilleur. C'est l'époque où les mecs avaient des pulls tricotés, quoi. Enfin, des maillots tricotés par. Bah, ça, je ne sais pas. Des maillots en laine, là. Ça, mais, non ? Non, mais j'ai jamais vu un gardien comme ça. Sans gants ou avec gants ? Pour moi, c'est le meilleur. Ouais. De tous les gardiens de Rennes. Il jouait avec gants ou sans gants ? Excuse-moi, Daniel, il y a eu quand même, je pense, Marcelo. Il y en a qui jouent. Non. Ah, Marcel. Ça valait pas, non. Bah bon, j'ai pas connu. Non, ah, d'ailleurs, Marcel Aubourg, j'ai valait pas la mienne. Ah non, je venais voir. Moi, j'ai joué avec Aubourg, alors. Non, mais Pierre Ricard, oui, mais... Je venais voir les matchs en 65. J'ai joué, parce que j'étais à la finale en 65. J'étais aux deux finales, 65-71. Lamia, je me souviens de Lamia. Mais bon, Daniel est mieux placé que moi pour le juger. Mais moi, après, j'ai connu... J'étais plus près de Marcel Aubourg. Marcel Aubourg, c'était quand même un...
C'était un très grand gardien, ouais. Mais Lamia, pour moi. Tu as joué contre Aubourg. J'ai joué avec Aubourg. Oui. Avec Aubourg. Ah oui. À la fin de ma. De Rennes. D'accord. Après, je suis parti à Valenciennes. Oui, c'est ça. En 70-71, ouais. C'est ça. Ouais. C'est marrant parce que quand on évoque un petit peu. Et en plus, Rennes a pris. C'était qui là. Ils avaient pris qui à ta place? Non, ils m'ont pris tout le transfert. Normalement, on avait droit à prendre. Mais t'as rien touché? Rien, ces enfoirés-là. Après 7 ans. Par contre, j'en ai voulu. Hein. Non, mais attends. Daniel, renvoie une facture. Renvoie la facture à la danse, mais tu l'as convertie en euros. C'est incroyable. Tu la mets en euros pendant ces temps. Mais en France, ça va pas marcher. Ça marche. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. Moi, je dois ma carrière et je dois ma vie à François Denis, moi. Mais pourquoi? Mon premier match, je le fais à Lyon et je rentre sur les croisés. En D2. Lyon est en D2. Non, D1. Non, pardon, excusez-moi. Bah, attends, quand même, respect. J'ai quand même pas fait un premier match en D2 quand même. C'est pas parce que j'ai joué en Angleterre en D3 que. Lyon, ouais. Lyon, premier match. C'est quoi l'histoire? Ben non, François, je suis remplaçant et François se pète les croisés. Je marque Cabanas. Ouais, qui était Roberto Cabanas. L'ex-Brestois. Voilà, ouais, exactement. Cabanas, ouais. Et tout seul, je me fais les croisés. Et donc, c'est Cyril qui était remplaçant qui m'a remplacé ce jour. Ouais. Et là, je commence. Et j'ai fait la saison. Parce que bah, les croisés, c'est 6 mois. Donc, j'ai fait toute la saison. Après, il est revenu, etc. Ah oui, tu es doux. Je dois deux trucs. Je dois mon début de. Et un repas. Et ouais. Ah, c'est quoi l'histoire, les gars? Ils ont des trucs entre eux. Ouais, parce qu'on avait aussi. Donc, ça, c'est sur la fin après. À la fin où je suis à Rennes, on avait des primes de match qui étaient avec un intéressement, c'était René qui avait inventé ça. René Ruello. Ouais, un intéressement au nombre de spectateurs. Donc si tu avais ton stade qui était plein à domicile, tu avais une prime de match en cas de victoire et tu avais un intéressement au nombre de spectateurs. C'est-à-dire qu'en gros, si tu fais le spectacle, la machin, etc., donc c'était sympa et on joue le PSG. Et donc là, il y a du monde. Ah bah plein. François, un peu incertain dans la semaine, et on faisait chambre ensemble tous les deux. Donc moi, j'étais remplaçant, mais. Et on est en chambre ensemble, et il me dit: ah putain, Cyril, je termine le match, etc. Ah, j'ai dit: bah, écoute, ça serait bien que tu termines pas. Parce que quand tu es remplaçant, tu as la moitié de la prime. D'accord. Quand tu rentres, tu as 100% de la prime. Et donc, on deal dans la chambre tous les deux que de toute façon, il va il pas sort avant la fin. Ouais. Pour que les deux aient la prime. Lui, il l'avait sûr, mais moi, c'était cadeau, quoi. Moi, c'était cadeau. Donc, il m'a dit: je te paierai un repas, mais je t'attends toujours. Ouais, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, il attend toujours son repas. Et je veux pas lui payer. C'est moi. Là, franchement, c'est pour moi. C'est gentil. C'était quelle saison, ça? Ça, c'est 94, 95. Ouais, il y a Rai qui joue, machin, etc. Ah, génial. Et là, il reste 5 minutes à jouer. Et moi, je suis sur le piaf. Ah ben je piaffe d'un pas. Ouais. N'oublie pas. Et moi, je vois le stade plein et on gagne. Hey, on gagne. On, mais large. On gagne. Ouais, 4-0, je crois, on gagne. PSG. La main était en face. Ouais, là, un truc de fou. Et moi, je suis là sur le côté. Putain, parce que s'il y a prime, si qu'il y a victoire, il y avait prime. Ça... Ouais, je me rappelle. Franchement. Et là, franchement, il fait. Je peux plus. À Mimi, Michel le millénaire. Mimi, il fait. Mais franchement, non, tu t'accroches, c'est bon. Moi, j'étais sur le côté, je dis: pourquoi il s'accroche? C'est pas la peine de s'accrocher. Moi, je vais rentrer, je suis pas mal non plus, quoi, tu vois. Je suis pas mal non plus. Mimi, il pensait pas ça. Non, Mimi, il croyait pas du tout au truc. Et au bout du compte, il fait rentrer. Donc, François dit: non, je peux pas. Et là, moi, je rentre 5 minutes. 5, 6 4-0, score acquis. Score acquis, la prime. J'aurais pas pris de risque. J'aurais pas pris de risque. Match 0 avec Cyril. Match nul à la fin. Alors, si le pain arrive, ça sera super, mais. Ouais. Il est là. Oui, mais loin. Ouais. J'ai le bras long, mais ça, c'est limite quand même, les gars. Ce que je voulais savoir, c'est les uns les autres, quel est votre meilleur moment sous le maillot rennais? Le truc le plus. Votre meilleur moment, le truc où vous êtes senti ou invincible ou c'était l'épanouissement le plus total. Et je commence avec Chabani, qu'on n'a pas entendu depuis quelques minutes. Ton vrai souvenir, s'il y a un souvenir à garder de ta présence au Stade Rennais. Ah non. Non, c'est Intertoto contre la Juve. Ah oui. Juventus match retour ici. Ah oui. Ouais.
C'était... Ici ? Ouais. C'était ces jours-là. Et on doit passer en plus. Hmm ? Sur les deux matchs, on doit passer. Hein. Ouais, ouais. Ah oui, ouais. Ah ouais, ouais. Si. En Italie là-bas, ouais. Ah ouais. Pas, ouais, ouais. C'est bien défendu. Il hein. y a Zidane en face. Il y a Zidane. Ouais. Deschamps. Incroyable. Ils étaient au complet. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Match retour. Là-bas, aussi. On fait 3-2. Hein. Ouais, quelque chose comme ça. Comme mais ça, ici, on n'a pas démérité. Ici, ça fait 2-2, je crois. Ouais, ouais mais on mène un moment, ils sont éliminés. Bardon met un but, je crois. Exactement. Et il passe par un truc. Limite. Il marque un but. Soit chez nous, soit là-bas, je crois. Pardon 2-0. 2-0 à l'aller pour eux. Oui, nous avons gagné deux fois, mais non, je ne pense pas qu'il y ait 2-0. Ici, il y a match nul. Ici, 2-2. Ici, 2-2. Oui, mais on n'a pas trop démérité quand même. Et le stade était en travaux. Il y avait des voiles partout. Quand on regarde les images, ça fait un peu étrange. Mais donc, c'est ton meilleur souvenir ? Moi, personnellement, oui. Ouais, d'accord. OK. Olivier, ton meilleur souvenir à Rennes ? Moi, c'est Rennes ou Sassouna. Ah ouais, c'est les matchs internationaux. Grosse ambiance ici. Ouais. 3-1. 3-1, ouais, c'est ça. Tu marques ? Osasuna. Osasuna, ouais. Non, je marque pas, non. Tu fais marquer ? Ouais, deux fois, Fry. Ouais. Bizarre, hein. Il y a une grosse ambiance en plus. En ouais, et puis ça faisait plus de 30 ans, je crois, ou 40 ans que Rennes n'avait pas regoûté un coup d'Europe. Ça va, là, on va faire une pause. Donc, c'était incroyable. Donc, non, c'était. Ouais, tu t'étais un souvenir de Rennes Osasuna ? Moi, je suis dans les tribunes, je suis gamin, moi. Mais c'est incroyable. C'est des matchs de Coupe d'Europe. Attendez. C'est là où vous. T'es gamin. T'étais pas au centre de formation aussi ? Je suis en équipe réserve, je crois. Ouais. Si, si, c'est ça, c'est 2005. Ouais. C'est 2004-2005, ouais, je pense. C'est ça. Ouais. Coupe des coupes. Si, si, moi, je suis en équipe réserve. Ouais. Mais c'est une ambiance de dingue. C'est là que tu te rends compte que la Coupe d'Europe, ça n'a rien à voir. On continue sur les meilleurs moments sous le maillot rouge et noir. Michael, le match de Lyon. Ah ouais, j'y pensais plus. J'ai oublié. Ah, le faux modeste. Ouais, bien sûr. Hein, pour moi, c'est un grand moment. Rennes reçoit Lyon. Ouais, on reçoit Lyon, voilà. Lyon, 6 fois champion de France. Sont au top de leur forme. Et nous, on fait un bon championnat aussi. Hein. On est quand même bien, voilà. Et c'est vrai que ce match, tout nous réussit. Enfin, moi, en tout cas. J'ai trois opportunités de marquer, même si la dernière, pas forcément. Mais, après, on... Donc, trois opportunités de marquer, ce qu'il dit pas, c'est qu'il met 3 buts quand même. Ouais. J'ai 3 opportunités de marquer, mais j'en mets 3 quand même. Donc, qui part, ouais. Ouais, non, voilà, ouais. Bah, après, voilà, trois ballons différents et je concrétise de belle manière. Après, pour un attaquant, c'est toujours des bons moments. Et puis après, bon, ce qui va avec, c'est voilà, tout le public aussi qui suit un petit peu cette réussite. Et on dit des buts pagistral. C'est pagistral. Oh. Ouais. Je sais pas si c'est l'équipe qui... C'est pas l'équipe qui titre si, ça, ça. C'est le titre, ouais. Hein, c'est le titre de l'équipe. Il fait la une de l'équipe. Ouais. Ouais. Pagistral. Elle était dans le bureau, grand, la photo. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est... Vous avez tous été en une de l'équipe ? Je crois pas, non. En arrière-plan. En flou. En flou. Non, mais celui-là, en tout cas, il y était parce que c'était. Ouais, c'est ton meilleur moment. Tout réussi, là. À Rennes, ouais, c'est mon meilleur moment parce que c'est. Bah, pour un attaquant, un triplé, c'est le top. C'est ce qu'on recherche tous. Oui. Ce qu'on recherche. Quatre, c'est mieux. Quatre, c'est encore mieux. Mais t'as fait quatre ? T'as fait quatre, Daniel ? Contre qui ? Il y avait même les sœurs Guachel. Tu te rappelles des sœurs Guachel ? Ah oui, Marielle Guachel et sa sœur. Elles étaient au match. Ah oui, elles étaient pas. Ah oui. Ouais, elles étaient au match. Attends, mais oh la vache. Ouais, j'en avais marqué 4. Grumelon, il a mis 5, non ? Grumelon, il a pas mis 5. Grumelon, il n'a pas mis 5. Donc, ton meilleur moment, Fanche, c'est quoi ? Moi, c'est la montée à Lorient. Ah oui, la montée à Lorient. Parce que le scénario était improbable, quoi. Même différence de buts, même nombre de buts marqués, non. On avait plus de buts marqués qu'eux, que Mulhouse, qui était ex-aequo avec nous. Nous, on jouait à Lorient, qui jouait sa descente. Mulhouse devait jouer... À Angers. À Valenciennes. Oui, à Valenciennes. Tu à Valenciennes. Excuse-moi, Lorient descendait. Ils jouaient même pas leur... Ouais, peut-être. Ouais, ils descendaient sûr. Et donc, du coup, on doit marquer à la dernière minute du match.
dernière seconde de la dernière minute du dernier match de la saison. Voilà, et on gagne 2-0 et grâce au deuxième but, on monte en D1. Donc le scénario était vraiment improbable. Ah oui. Et quand on est revenu ici à Rennes, c'était la folie, place de la mairie aussi. Ah ouais. Très gros souvenir. Et dans le but, ton plus gros moment, c'est quoi, Pierrick? Non, moi, j'ai pas de grands moments. Ah bon, t'as pas de grands moments? Non, mais j'ai eu la chance de faire quand même une belle carrière. Mais moi ma plus grande joie, ce que je ressens, c'est que je suis un Rennais, un peu Rennais, et que j'ai été 45 ans salarié au Stade Rennais. Oui. Donc, 45 ans salarié dans mon club, dans ma ville, c'est énorme. Oui. Je suis parti à Bastia en plus pour aider un peu le club. Parce que c'était la période où, s'il n'y avait pas eu le transfert, le club pouvait descendre comme Reims en DH. Donc, j'ai eu encore la chance de faire des grands moments à Bastia. Et quand je suis revenu à Rennes, c'était un peu la période difficile où on montait, on descendait, on montait, on descendait. Ah, donc, l'anecdote de Lorient, c'en est une. Donc, c'est ma ville, c'est mon club, oui. 45 ans, c'est Rennais. Oui, t'es le symbole de ce club-là. Mais voilà. Pierre, quand tu pars à Bastia, qu'est-ce qui se passe? Qui te dit quoi? Comment ça se passe? Il se dit, parce que là on peut dire des choses, mais même en la racontant, on pense pas que ça peut exister. Bon, à l'époque, il y avait pas d'autoroute, il y avait pas. Donc on était en deuxième division, on va jouer à Tours, on part le matin en car. Les chemins, bon, la départementale. On s'arrête dans une auberge à midi. Il y avait même pas ma famille savait qu'on mangeait là. Et en plein repas, il y a un coup de téléphone, la dame, elle vient me voir. Monsieur Yard, ouais. On vous demande au téléphone. Alors, je vais, téléphone, allô, c'est Bastia, Jules Filippi. Filippi, oui. Je dis, c'est une blague, parce que Bastia était en Coupe d'Europe, ils étaient en pleine Coupe d'Europe, quart de finale. Il me dit, bon, voilà, écoutez, notre gardien ne peut plus jouer, un gros problème au cœur, etc. Donc, nous, il nous faut absolument un gardien. Donc, on veut vous prendre, voilà. On sait que Rennes est en difficulté financière, donc déjà avec le transfert. Et nous, il nous faut, on vous a suivi, etc. Donc, je vais voir les dirigeants. J'ai dit, écoutez, incroyable. Je sais même pas, même ma les mère, c'est même sont pas que... Au courant. Comment? Les dirigeants sont pas au courant? Même pas, rien, incroyable. Donc je vais voir le président et j'ai dit, écoutez, j'ai eu Bastia, il me rappelle demain, donc voilà, ils veulent, comme on est en difficulté, ils me rappellent demain au stade avec vous et on discute. Donc on rentre de Tours, le lendemain, Jules Filippi rappelle le président, il dit, bon voilà, ils se mettent d'accord sur la somme du transfert et il me dit, bah, écoute, t'es d'accord ou pas? Oui, mais toi tu dis quoi? Ben moi, je dis, je pleure déjà. Parce c'est vrai qu'il pleure souvent. Ben ouais, non, mais c'est vrai. En même temps, Pierre. Je pleure parce que c'est ma ville, c'est mon club, ben je suis né là. Tu veux pas partir. Je suis petit, ouais. De tout petit, je suis là. Et mon père, il me dit, écoute, Bastia est en Coupe d'Europe, tu vas arriver en quart de finale de la Coupe d'Europe, tu es en deuxième division, vas-y, c'est ton avenir. Donc au club, je dis, ben ok, je pars à Bastia. Et c'est l'étoile qui était au-dessus de moi. Oui. Ouais, donc ça c'est un moment. Ouais. Ouais. Quand tu vois la statue de Prouf. De Monsieur Prouf là dans les ouais. dans les tribunes au Roisel-Parc. Et je m'assieds à côté. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah, il la mérite. Ah ouais ouais ouais. Mais il est tout de même resté. Attends, il est resté 7 ans, hein. Facile. Hein. Ouais. Ah, et puis Monsieur Prouf, pour tout le monde, c'est... On l'a connu, nous aussi, avec Raymond Cérurieux. Ah oui, avec Raymond. C'était ses mentors, ouais, il est venu. Ouais. En 90, il était adjoint. Ouais. Il est venu pendant 2-3 ans seconder Raymond. Oui. Et nous, on l'appelait, Daniel l'appelait Monsieur Prouf, nous, on l'appelait Monsieur Jean. Monsieur c'était Jean. Un peu plus cordial. Quoi. Oui. Et Monsieur Jean, alors Monsieur Jean, mais c'était un personnage. C'est toujours été Monsieur Prouf. Oui. Ah ouais, ouais. Il avait quelque chose... Ah ouais, ouais. Oui, moi je l'avais connu à Caen, hein, aussi. Hein. Avant? Ouais. Il a fait 6 mois avec moi à Caen. Donc on est arrivé en quart de finale de la Coupe de France avec ouais. notre petite équipe de Caen. Parce que les supporters qui voient sa tribune, et on parlera du Roisel-Parc tout à l'heure, qui voient en tout cas sa statue ah ouais, tout le monde n'a pas ce regard que tu as vis-à-vis de cet homme-là. Tout le monde a ceux qui l'ont connu, non?
Il n'y en a pas beaucoup, là, qui l'ont connu. Bah moi, mon premier match pro, il est à côté de René Sedelin. C'est sa première année à René. Oui, René, il guide et tout. Et moi, il était venu me voir à 17 ans et demi. Et je me souviens d'un discours très paternel. Écoute, ne te prends pas la tête. 17 ans et demi, c'est pas, tu ne joues pas ta carrière là-dessus. Et M. Jean, pour moi, ça a été quelqu'un d'important. Ah, ouais. Ouais. Juste avant qu'on se sépare et qu'on aille peut-être prendre un digestif, les gars, quel regard vous portez sur le Stade Rennais d'aujourd'hui et quel vœu peut-être vous pouvez formuler sur ce qui va arriver? Il a quand même un peu évolué. On est depuis deux saisons un peu sur des nuages, quoi, des choses qu'on n'a jamais vues. Rester troisième jusqu'à la fin de saison. Voilà, sur le podium. C'est important, ouais. Faire la Ligue déjà, des Champions. Déjà, ça serait pas mal. Hein, ouais. Qu'il reste sur le podium. Ouais, ok. Parce que là, il y a encore... Il y a plus d'une moitié de saison à faire, Daniel. Ouais. C'est le cas, ça a passé. Donc, pour moi, plus... Depuis quand même pas mal d'années, on est dans les 5-6. Ouais. On finit régulièrement quand même. Déjà, nous, je pense qu'il y a au moins 10 ans. C'est là qu'on va voir. On est 5-6. Et en fait, je pense que l'objectif aujourd'hui du Stade Rennais, c'est de basculer dans les 3 pour justement montrer que voilà, c'est une place forte du championnat qui peut rivaliser avec les plus grosses écuries. Après, ben voilà, c'est une autre étape, mais je pense que là où on va pouvoir dire, voilà, le Stade Rennais, ça y est... Mais ils le savent déjà. Hein. Ah, mais oui, c'est vrai que le regard sur le Stade Rennais a changé. La difficulté, c'est de passer, voilà, finir les saisons, voilà, en étant en Champions League. Ça change en bien, là. Mika a plus que raison. Mais par contre, je pense que le club a très, très bien travaillé. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait en un an, deux ans, trois ans. C'est sur la durée. Donc je pense que les défis, ça a été monté, et comme il dit, depuis quand même quelques années, on est au bord, on chope l'Europe tous les ans, pratiquement, et on est là, 5-6, et là, on est dans la dernière marche, on est troisième. Maintenant, si on avait la chance d'arriver dans ces trois premiers, je pense que le club prendrait encore une autre dimension, parce qu'il y aura le budget qui arrivera pour qu'on y arrive. Donc si le club travaille comme ils ont travaillé depuis 10 ans, et là, pas faire n'importe quoi, et arriver dans les 3, je pense qu'on aura la chance de voir un grand club à Rennes pendant quelques années. D'accord. Ouais. Tu serais déçu, Daniel, qu'on n'y arrive pas? Ah oui. Ah ouais. Déçu. Mais bon, mais maintenant, le plus L'Europe, dur... L'Europe, c'est bien quand même. Non, mais le plus dur, maintenant, c'est de rester. C'est de rester là, mais parce que là, il y a encore Je serais plus ambitieux, en fait. Ah. Parce que je pense... On sent le futur président. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais parce que je pense... OK, être troisième, parce que c'est... parce qu'on a presque... Si on regarde les 10 dernières années, parce qu'on était presque là. Oui. Ça s'est joué à peine de choses. Ouais, voilà. Mais moi, je pense qu'il faudra... Peut-être pour cette année, ce n'est pas possible. Mais c'est que, par exemple, Lille a fait. Être champion une fois. Être champion une fois. C'est ce qui nous manque, peut-être. Être champion. Mmh. Romain, juste, j'ai encore une question pour les uns et les autres. Ouais. Non, mais pour moi, appuyer les propos de Cyril, l'arrivée de M. Pinot au Stade Rennais, elle s'est faite intelligemment. C'est qu'il n'a pas voulu arriver avec ses gros sabots et en mettant des prix et des trucs. Il a un peu fait, mais... Au début, si. Voilà, un petit peu. Ouais, il a vu des un ou deux joueurs. Que ça ne pouvait pas marcher. Il a basé un projet... Avec la formation, notamment, qui marche très très bien, il a appris et l'évolution, elle est constante aujourd'hui. Et Cyril le disait, les bases, elles sont là, elles sont construites. Si cette année, on ne finit pas troisième, ça arrivera. Et on arrivera champion un jour. On sera champion un jour. Voilà. C'est sûr. Aujourd'hui, le Stade Rennais, ce n'est plus un hasard, en fait. On n'est plus là par hasard. Dynamique autour du stade. Mais il ne faut pas attendre de trop aussi, hein. Ah non, mais... Attends, si t'attends 5, 6 ans, 7 ans... C'est pas mal, ça aussi. Ouais, mais je crois que la dynamique... Oui, mais on a tous les uns les autres regardé dans le rétro pendant des années en se disant, oula, pourvu qu'on descende pas. Exact. Aujourd'hui, on regarde devant, c'est quand même un truc incroyable, non? Ouais, mais... Le moi, j'ai eu des saisons ici où je regardais plus derrière. Hein. Mais oui. Non, mais raison, Olivier. Aujourd'hui, tu joues tes joueurs... Aujourd'hui, tes joueurs, t'as vu les supporters qu'il y a aujourd'hui à Rennes? Les chants et tout ça, on n'a jamais connu ça, tout le monde. Hein. Des mecs se baladent en ville avec des maillots rouges et noirs, on n'a jamais ça. On va en Coupe d'Europe, on va à l'extérieur, tout le monde dit, les supporters, c'est fou, ils chantent tout le temps et tout.
La dynamique, quand tu dis, ça s'est construit, et ça s'est construit tout autour du stade aussi. Non, mais l'évolution, bon, malheureusement, moi je suis vieux, j'ai connu tout. Mais non. Mais, non, mais au départ, Daniel a connu ça, au Saint-Rennais, on jouait, on marquait un but, ils s'applaudissaient une minute, et après terminé. Hein, et la moindre fausse passe, ils sifflaient. Public de spectateurs et pas de supporters. On a connu ça. Et, oui. et aujourd'hui, ben, parce que dit très bien François, mais c'est un autre club. Oui. On a des copes et des supporters derrière nous que jamais à l'époque on n'aurait jamais connu. C'est là où ça s'est construit. Mais regarde même le statut du stade. Aujourd'hui, oui. Si ça se déplace, il se déplace. C'est les équipes qui reçoivent le stade Rennais. Ah ouais. C'est plus pareil. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. C'est plus pareil. On a pris une dimension. Mais tu vois, l'image de M. Pinot, la réussite bretonne, le travail, l'humilité. Tout ça, ça colle. Toi, tu vas te faire embaucher. trop tard. Non mais ce qui a été fait pour le Stade Rennais est à l'image vraiment de ce qui peut être une réussite bretonne, de valeur, de travail, d'humilité dans le temps, etc. On n'est pas bling bling, on n'est pas voilà, et on monte gentiment. C'est à l'image de ton actionnaire. Et c'est pas de faire des coups en achetant les meilleurs joueurs du monde, etc. C'est de travailler, de bosser, de fermer sa gueule, de ne pas la ramener. Et gentiment, le club, il monte. Hein ? Toi, tu fermes ta gueule ? Ouais, je ferme ma gueule. Ouais. Bon. Hey, juste pour finir, il y a un joueur sur l'effectif du Stade Rennais aujourd'hui qui vous plaît particulièrement ? Alors, j'ose pas demander à Daniel. L'équipe. L'équipe, ok. Daniel dit l'équipe, c'est bien. Ben bah voilà. Ouais, ah, bon, oui. Chavani. Ouais, hein? Pareil. C'est l'équipe, ok. Bien sûr. C'est un collectif. Ouais. Vous ressortez pas un gars. Automatiquement. Ouais, si Martin. Martin Terrier. Mais Terrier sans les autres, il est rien. Oui. Mais je rejoins tous. C'est un collectif énorme. Bien sûr. Depuis 2-3 ans, on voit du jeu que j'ai jamais vu développer à Rennes. On se régale. Moi, je viens et je me régale. Je sors du match. 90 minutes, je me régale. Donc, alors, Terrier, à un moment, c'est lui. C'est dû aussi au coach. Mais après, c'est Bourigeaud. C'est dû aussi à Genesio, quand même. Attends, je pense que c'est lui le premier sûrement. Ça travaille bien, dit. Moi, je vais même aller plus loin, moi, parce que je suis salarié du Saint-Rémy. C'est tout un club. Voilà. Et François, alors, François. Non, mais je rejoins un peu tout le monde. C'est toute une ville. C'est cette dynamique. Avec la mairie. Avec la ville. Avec la mairie. Et on avait oublié la mairie de Rennes. La mairie, si elle n'avait pas été là à une époque, j'aurais pu le Stade Rennais non plus. J'ai connu la scène. Ah, bah oui. D'accord, on est bien d'accord. En tout cas, ça a été un plaisir de parler avec vous, les garçons. C'est fini. Mais vraiment. Ah oui, ben c'est fini, c'est Noël. Oui, Daniel. Rappelle-toi qu'on a gagné la Coupe de France en 65. Qui a porté sur le balcon là, de la mairie là ? C'est Fréville. Bah oui. Voilà, Henri Fréville. Bah oui. Donc merci à tous de nous avoir suivis. C'était le premier dîner des légendes. On espère qu'il y en aura d'autres. C'était un plaisir. On va tous vous souhaiter un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année et se retrouver très vite avec le Stade Rennais où il y a sans doute beaucoup de choses à faire. On va vous inviter aussi à visiter cette galerie des légendes dans laquelle on est pour ce repas. On la doit à Jacques Delanoë. Elle vient d'être étendue. Elle est magnifique. Donc si vous avez une visite à faire à Rennes, c'est direction le Roizen Park et la galerie des légendes. Ciao, à très vite.